Merci. On est quand même plus de 600. Allez, 2022, on est 600 hein, quand même. 605. Attention, les vélos, il neige. C'est la merde. Tu rec? Ouais, je rec, là. Tu peux dire alors qu'on a bien becté, Emily, on a trop. Oh, ouais, qu'on a bien becté. Il y a deux guibacs. Deux guibacs. Si, c'est vrai, t'es... Bon, alors, du coup. Putain, viens voir comment c'est beau, quand même. Viens voir. Du coup, ça, en gros, tu sais, au début, je me suis dit, putain, les cons, ils m'ont fait un trou dans le pare-choc, ça sert à rien, quoi. Et en fait, quand t'as un cri lift, et bah, tu poses ton cri là comme ça. Hop, puis tu soulèves. Et en fait, il y a le même pareil de l'autre côté. Donc, t'as deux trous pour ton cri lift. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce pare-choc? On a les quatre trous là. Bon, ça, je vais acheter ça plus tard. Mais genre, en gros, les quatre trous là, tu fixes dessus. T'achètes chez Fabrica des mani. Et ouais, c'est des petits cercles en gros. Et t'accroches ton treuil là-dessus. Donc, t'en as un là, un de l'autre côté. Évidemment, support de treuil là. Bon, la plaque, elle doit virer. Elle va être au-dessus de l'écuyer de treuil. Tu vois, et, en vrai, vraiment. Pas dégueu. Les soudures sont pas dégueu. Le pare-choc, vraiment propre. Hein. Ça te protège les feux. Au début, en fait, je voulais couper là. C'est le même véhicule que tout à l'heure. Au début, je voulais couper là et je voulais couper tout ça là, comme ça. Pour avoir en fait juste la partie centrale. Bilan de l'affaire, en fait, je kiffe comme ça, la gueule qu'il a, machin et tout. Donc en vrai, moi, je le trouve super cool. Et ce qui est bien sur ce pare-choc, c'est que là, quand tu le fixes, vraiment, t'as aucune découpe sur le châssis. C'est-à-dire que t'arrives, tu poses tes trois boulons, bah t'enlèves ton ancien pare-choc. Là, t'as trois trous, c'est perforé. Là, t'as un L en fait, si tu veux, ça prend au-dessus le châssis. Ça prend, donc là, t'as ton L, t'as ton châssis, t'arrives, tu prends comme ça, tu boulonnes, crac, c'est fini, on a mis quoi? Démontage, remontage, une heure pour celui-là. Vraiment, c'était plié d'une force. Et puis, putain, je vais te montrer l'arrière. Alors, l'arrière, j'étais un peu déçu. Au début, j'étais déçu. Et en fait, parce que j'ai pris celui où il n'y a pas de découpe d'aile. C'est-à-dire qu'il vient du coup, bah, comme tu vois là, j'ai des moins 44 hein, quand même. Et il vient presque à fleur des moins 44. Du coup, au début, je me dis putain, vas-y, c'est trop large. Vu de l'arrière, c'est trop moche. Et en fait, donc regarde, vraiment, ça va. Honnêtement, ça va. Au début, je pensais que je trouvais ça un peu trop large. Il y a peut-être cette partie-là qui est, je vais pas te mentir, peut-être en trop. Mais après voilà, c'est comme ça, je m'y suis fait, et puis bah pareil, les mêmes trous, c'est pour le cri-lif. Attention, et j'ai pris le pare-choc, mon gars, avec toutes les options, attention les vélos, ça rigole pas. J'ai pris support de roue de secours, et alors je vais te montrer ça comme il faut, approche-toi gamin. Là t'as support de cri-lif, support de roue de secours qui est pris ici. Donc là, tu... attends, je vais mettre pas en face, pour présenter ça comme il se doit. Donc support de roue de secours, le support de roue de secours est fixé sur la porte, c'est-à-dire que tu ouvres ta porte, très bien, tu ouvres l'autre porte, tu peux en fait, ça soulage tes charnières en gros, clairement. C'est un système de roulette, et en fait ça vient rouler sur cette platine, et du coup ce qui te permet d'avoir ce mouvement. Ah c'est bon. Ça devient chiant. On l'a là. Et en fait, pour maintenir ta porte, pour éviter qu'elle descende et que ça défonce les charnières, juste en dessous là, je pense que tu vois là, juste en dessous, ici t'as une petite roulette et en fait ça vient rouler sur ton pare-choc. Bilan de l'affaire, bah c'est bon. C'est beau. C'est bio. C'est bio. Voilà, beau pare-choc là. Par contre celui-là on a la chier. C'est très long à monter roue de secours, support de roue de secours, machin. On a dû mettre une après-midi complète. Et du coup, pour ceux qui disaient, oui, du coup, tes veilleuses, elles sont dans ton ancien pare-choc, elles sont où maintenant? Mais c'est où? Elles sont là, regarde. Feu multifonction, monsieur. Ça, clairement, il y a les Australiens qui ont ça. Et nous. Mais nous, on a copié. C'est tout en fait. Donc là-dessus, dans le rouge, t'as bah, veilleuse, feu stop. Dans le blanc, pas te mentir, c'est les feux de recul. Et les clignotants, bah t'as les clignotants en fait. Hein. Faut être né de la dernière pluie pour savoir ça. Donc voilà, toujours hein. Instagram, mon Snapchat perso, mais je mets des conneries qu'on fait avec mon véhicule quand on part en terrain. Voilà. Tu peux ajouter deux, ça gagne pas. Enfin voilà. C'est comme ça. T'ajoutes, pose pas de questions, c'est tout. Je te demande pas combien t'as dedans. Ouais, il était là, c'était que...
Oh, cher soeur. Petite vidéo courte, hein, vraiment, je vais pas te mentir, c'est très fou. Juste pour te présenter ça, comment on a fixé ça à l'arrière, comment on a fixé ça. Mais moi, je ne sais plus. Je sais pas si t'arriverais à voir. Ah oui, j'avais une boule là-bas. La boule, sucrée la boule. Non, t'arriveras pas à voir. Mais en gros, pareil, c'est un peu le même principe qu'à l'avant. C'est t'arrives, bah nous on était chacun, on avait les doigts dedans comme ça. On avait les doigts dedans, hop, on l'a posé. Et puis, moi je te l'ai d'un côté, il boulonnait au châssis. Pareil, tu viens là, tu poses, crac. Aucune découpe à faire, aucune modification. Bah du coup, de la carrosserie, j'ai pas besoin de la modifier. Parce que t'as cette version de pare-choc, du coup, en moins large. Et en fait, au niveau de tes ailes, ici, regarde. Ici, tu coupes là, au niveau de ce petit trait, et ton pare-choc. Oh. Ton pare-choc, il vient rentrer. C'était dégueulasse. Ton pare-choc, il vient rentrer. Et donc, t'as de la modification de carrosserie à faire. Moi, je voulais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai cette largeur qui vient quand même à fleur du moins 44. Au niveau de mon pare-choc, que dire de plus, rien. Non, vraiment, j'ai rien à dire. J'en suis pas déçu. Les liens des pare-chocs sont évidemment en description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, ce pare-choc-là, tu peux l'avoir avec support de jerrycan. Moi, je l'ai pris avec support de roue de secours. Et support... Putain, je suis dégueulasse. Et support de cri lift. Et il y a un support que j'ai pas pris, c'est le support de jerrycan parce que ça me sert à rien. Prochaine modification pour ceux qui demandent sur le pétrol, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai une petite galerie, mon gars. On va faire un plateau, la galerie. Pas de mentir, on va mettre une tente de toile dessus et puis ça va être plié. Faut juste la peindre. Faut qu'on la découpe parce que là, c'est une galerie un peu chelou que j'ai récupérée. On la découpe, on la peint en noir, on pose ça là-dessus avec des supports modifiables de chez Rhinovrec. Et putain, je bouffe de la neige, j'avais plein le cul. Et puis voilà. Et puis je pense que c'est l'un des... Il sera presque fini, vraiment, il sera presque fini, mis à part l'intérieur, il y a des conneries à faire. Je regarde comme les panneaux de porte. Genre. Alors oui, c'est beau, hein. Oui, d'accord, c'est du cuir. Hein. Là aussi, c'est du cuir, hein. Du cuir de vache, hein. Du vrai. Hein. Mais frère, genre... Tu sais, c'est ni fait ni à faire, quoi. Moi, j'ai récupéré ça, mais... Enfin, je l'ai acheté comme ça, mais genre, je m'en suis pas entretenu. Ah, j'ai entretenu les sièges. Alors là, la graisse de cheval par-dessus, là. Comme ça, comme il faut. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Combien j'ai... Ah bah alors là, oui, combien j'ai payé ça? Je crois qu'ils sont, voilà, 1440 le pare-choc à avant, et 1300, je sais plus combien, zloty. Donc c'est-à-dire que quand tu fais ta conversion en euros, honnêtement, pour être honnête, j'ai payé 1400 euros les deux pare-chocs. Pour la finition, au niveau de la peinture, voilà, c'est peut-être le seul défaut que je peux donner à ce genre de pare-choc. Au niveau de la peinture, on est sur la bonne peinture, d'accord, ok. La moindre marque, ça se voit tout de suite. Donc peut-être que dans un an, les machins vont repasser en peinture ou quoi que ce soit. Tu sais, mon pare-choc avant, il était posé 10 minutes après, il y avait une rayure dessus, quoi. Ok, il y avait peut-être un pétrole qui était genre là, tu sais. Le machin était là et je voulais retourner mon véhicule, je sais pas pourquoi, comme un idiot, tu sais, je braque, machin, ça fait plat, plat. Je fais, bon, ça y est, il est baisé. Du coup, de l'autre côté, ouais, j'ai un petit truc, mais bon, ça se voit pas. Et puis, c'est tout. Comme d'hab, les jeunes, hein, plein de coups, paf, paf, paf. Et puis, on part sur une fin de vidéo. Tu peux t'abonner, mon gars. Prochaine présentation. Je vous en parle tout le temps, mais j'ai un pote qui a acheté un 60 châssis long avec des baquets et tout. Du coup, ça sera là-dessus. Et puis, voilà. Tu t'abonnes parce qu'on est quand même 600, puis ça caille. Hein, putain. Mais il risque qu'on prend pour vous là. Hop, un petit abonné pour, voilà. Pour le froid là. Les hommes. Non, mais vas-y, abonne-toi, mets des likes, va sur Instagram, frère. Tu cliques, tu likes toutes les photos qu'on met. Parce qu'évidemment, il y a tout sur Instagram. Sur Snapchat, pareil, tu y vas, tu t'abonnes, machin, on fait tout. Puis si t'as des questions, t'hésite pas, tu le postes en commentaire. Je pense que j'ai oublié rien. Non, bah voilà. Ils ont des questions et tu vas faire une FAQ? Non. J'y poserai. Ça y est, je me fais brûler. Non, mais si t'as des questions, tu les poses en commentaire. Dans la prochaine vidéo, j'y réponds. Voilà. Ah, j'ai vu un commentaire, c'était très drôle. Il y a un mec qui a marqué: putain, mais ça doit consommer au moins 20 litres! pour être honnête, 75 litres, j'ai trouvé ça très drôle. 75 litres dans le réservoir, entre 500 et 520 km.
À 1,59€ le gasoil chez Total Access, j'aime autant te dire que les 120€, tu les sens passer. Tu fais un deuxième trou de balle, tu ressors de chez toi. Enfin. Bon, les jeunes, je vous laisse. Sur ce, on arrête de blablater. Il y en a plein le cul. Plus de contenu, comme on dirait. Bonne vidéo. Enfin, bonne fin de vidéo. Abonne-toi, mets des likes, commente. Tu peux la partager à tes potes et machin. Ceux qui veulent des pare-chocs. Moi, j'ai pris ce modèle, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Chez Fabrica 4x4. Ici. Bah, moi, je suis passé par quelqu'un d'autre, mais je suis passé par chez Eutrol, comme d'hab. Non, mais du coup, tu peux aller là-dessus. Tu commandes, machin. Bisous, il n'y a pas de code de promo parce que c'est polonais. Moi, je fais pas ça, les polonais. J'ai rien contre eux, mais. En vrai, ils sont très bien faits, ils travaillent très bien. Bon, allez, je me blablate, je m'égare. Bisous, les jeunes, bonne vidéo, bonne fin de vidéo, abonne-toi.